Bonjour et bienvenue sur cette vidéo tuto du module Conquête. Je vais essayer de vous expliquer les rudiments du gameplay. Toutes les infos détaillées sont disponibles sur notre site theoldworld.fr. Donc, c'est deux camps qui s'affrontent sur un territoire fortifié. Le but des attaquants, il est simple, c'est de tuer le maître des lieux. C'est un des lieutenants de Kartan, pour ceux qui ont regardé un peu la RP. Et celui des défenseurs, bien évidemment, de le garder en vie. Donc le lieutenant s'est enfermé dans la forteresse, elle est verrouillée grâce à un système de sécurité qui se divise en 4 mécanismes. Il faut simplement les détruire pour que la porte de la forteresse s'ouvre. Donc on va commencer par les attaquants. Leur objectif premier, c'est donc de rentrer à l'intérieur de l'enceinte de la forteresse. Voici donc dans la cale du bateau des attaquants. À la fin du décompte, les portes s'ouvrent et vous avez donc accès au pont du bateau avec à disposition des canons et des distributeurs de munitions pour tenter de percer la muraille. Si vous êtes plutôt du genre à foncer dans le tas, vous pouvez prendre les petites embarcations sur le côté et foncer directement sur la plage prendre position. Il n'y a pas que les canons qui permettent de pénétrer dans l'enceinte. Il y a aussi un ingénieur qui a pied d'œuvre sur la plage et qui est en train de construire une tour de siège qui permettra de monter sur les murailles. Une fois terminé, quelques minutes après, il y a un autre PNJ qui lui va faire exploser les égouts sur le côté, près du petit village. A noter qu'attaquant comme défenseur avait à disposition à chaque réapparition du stuff de base comprenant arc, épée, tenue, etc. Attaquant comme défenseur dispose d'un bonus d'armes amélioré caché sur la carte. Une fois activé comme vous le voyez sur la vidéo, toute l'équipe pourra en bénéficier instantanément. Comme indiqué tout à l'heure, pour déverrouiller la porte de la forteresse, il faut donc détruire les 4 mécanismes installés dans 4 des tours de la forteresse. Dans un ordre bien précis, indiqué sur le scoreboard que vous avez à droite de l'écran quand vous jouez, les tours sont repérées par 4 couleurs bien distinctes sur la minimap. Donc sur le scoreboard, on voit la tour à détruire qui clignote et qui se grise une fois qu'elle est détruite. Et ainsi de suite pour les 4 mécanismes. Donc les mécanismes sont représentés par un cube de laine blanc qui change en fonction de son état jusqu'à devenir noir, ce qui signifie que la tour est détruite. Une fois la tour détruite, on passe donc, comme le scoreboard l'indique, à la tour suivante. Et ainsi de suite jusqu'à ce que la porte de la forteresse s'ouvre. Et qu'on ait accès enfin au lieutenant à tuer. Pour les défenseurs, c'est beaucoup plus simple. Seul objectif, défendre le lieutenant, les empêcher de détruire les tours, donc repousser l'envahisseur autant que possible. Et profiter de l'avantage des défenseurs, c'est-à-dire des murailles, en prenant de la hauteur. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel de conquête, en espérant vous voir sur le champ de bataille très bientôt.